Succès planétaire rencontré par le Pirate 8.6 thermique, T2M commercialise à présent son homologue électrique, le Pirate 8.6E brushless. Les différences, les nouveautés, l'équipement, on voit tout ça ensemble et c'est maintenant. Évoquer le Pirate 8.6E revient à parler d'une nouvelle auto dont l'empattement a été porté à 345 mm. La voiture est livrée avec cette carrosserie profilée qui exhibe une cabine avancée. La structure mécanique déjà assemblée nous place en présence d'un buggy à transmission intégrale, livré prêt à fonctionner. Prêt à fonctionner? Pas tout à fait quand même, puisque l'auto requiert encore la présence de deux accus LiPo qu'il vous faudra acquérir en supplément. Ces accus seront stockés au sein des deux compartiments prévus à cet effet de chaque côté du châssis. Le Pirate 8.6E nécessite deux accus LiPo 2S d'une capacité minimale de 6A et d'un taux de décharge minimum de 45C. La voiture reçoit un moteur brushless de 2150 kV monté sur un support réglable. Celui-ci est équipé d'un radiateur en aluminium anodisé. La transmission centrale accolée au moteur comporte une couronne acier et un différentiel à pignon conique. Le pignon moteur d'origine de 19 dents est également en acier et facilement interchangeable. L'ensemble étant parfaitement protégé par un carter plastique. Pour alimenter le Pirate 8.6E, T2M a eu recours à un contrôleur brushless de 100A équipé d'un ventilateur de refroidissement. Le timing de celui-ci pourra être reprogrammé à l'aide du petit bouton et de son système de flash LED qui est situé à quelques millimètres à peine de l'interrupteur. L'équipement de ce modèle brushless est monté d'un cran. Pour preuve, le servo de direction qui est un modèle FG à pignon métal qui délivre 9 kg de couple et auquel il ne faut que 0,12 secondes pour couvrir un angle de 60 degrés. Un nouvel émetteur à volant T2M en 2,4 Go se joint à cette auto. Léger et efficace, il dispose de quelques réglages basiques pour faire rouler l'auto et optimiser son fonctionnement. Toute la mécanique du Pirate 8.6E repose sinon sur un magnifique châssis en aluminium anodisé à bord relevé de 3 mm d'épaisseur. Pour gagner en garde au sol, le châssis est incliné sous le train avant. Il délivre une fixation moteur sérieuse par 4 vis. Des pneus à mini picot à gomme tendre complètent le package de série. Ils sont montés sur des jantes à voile plein dont les fixations sont assurées par des écrous de 17 mm comme sur une voiture de compétition. À l'avant, le Pirate 8.6E se compose d'une structure triangulée dotée de tirants sur rotule. Une combinaison qui se veut efficace grâce à une géométrie bien étudiée qui rend l'essieu très mobile en courbe. Des fusées surdimensionnées équipent la direction. Elles accueillent des cardans CVD en acier ainsi que des hexagones de roues en aluminium anodisé. La nouveauté étant la venue d'une barre anti-roulis réglable de 2,4 mm qui rendra le train arrière plus stable à haute vitesse. Côté équipement, tout le train avant est pourvu de biellettes à pain inversé. En revanche, l'Ackermann reste fixe et non réglable comme sur le modèle thermique. Toujours à l'avant, la tour de suspension de 4 mm d'épaisseur reprend les mêmes ancrages que ceux de la version thermique. Les amortisseurs Big Bore de 16 mm de diamètre assurant une qualité de filtration exempte de tout soupçon au cours du fonctionnement. À l'arrière, la cellule de l'engin n'est pas en reste. Elle dispose d'un support de suspension très complet au niveau des prises de carrossage et inclut une cale de pincement non réglable logée en porte-à-faux du châssis. La géométrie d'ensemble s'appuie sur un combiné composé de triangles et de tirants sur rotule. Comme à l'avant, le train arrière voit débarquer une barre anti-roulis dont le diamètre a cette fois été porté à 2,8 mm pour peaufiner la tenue de route. Les porte-fusées incluent d'origine 4 fixations pour régler la prise de carrossage des roues à l'enfoncement. L'empattement déjà généreux de série demeure réglable par l'entremise d'une cale de 5 mm située au niveau de la fixation des porte-fusées. Encore plus long et plus généreux en débattement, les amortisseurs arrière composent avec des tiges robustes pourvues de soufflets de protection en caoutchouc.